Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Star White. Et aujourd'hui, on se retrouve sur FIFA 19 pour le mode aventure avec Danny Williams. Après leur première victoire en Champions League, place maintenant à l'entraînement dans la surface pour les pénalties. Danny Williams qui a lui hâte d'affronter Terry Williams, son frangin. Alors, on va voir le match contre le Paris Saint-Germain qui devrait approcher très très vite. Et Danny Williams doit marquer au match aller et au match retour. Belle. Oh le con. C'est quoi ce qu'on trouve tout tout. Oh. Belle. Ah ça ils ont compris. Oh Lukaku. Par contre pourquoi c'est moi qui tire en fait? Moi je suis pivot, je suis pas censé tirer les gars. Belle. Si je la joue là. Ouf. Oh, on s'en sort avec un B, c'est bien. Sur les pénalties maintenant. Super. Ça passe. C'est fini pour aujourd'hui. Bon après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Danny Williams contre Terry Champions League, ça pourrait être compliqué pour William. Je pense que Terry risque de ridiculiser William. Je vais enfin jouer contre toi, mon petit frère. Bonne chance. Tous les yeux sont rivés sur Williams, y compris les miens. Eh ben, on va y aller, écoutez. Paris Saint-Germain contre United. Danny Williams doit marquer au match aller et au match retour. On va faire en tout cas le maximum contre son fringin. Et on a hâte de voir comment ça va se passer. Williams à 76 de général. Il a pris plus 1. Allez, on est dans le couloir. Où est-ce qu'il est, Terry? Il est là. Tu ressens tout cet amour? Ah bah, ça doit être sympa, Noël, chez les Williams. Il faut qu'on le défonce. Allez, c'est maintenant. Marquer un but dans les deux matchs de groupe contre le Paris Saint-Germain. Un maintenant, un après, il faut y croire. Un petit but de la tête là, paf! Et on bonjour va à tous, Pierre Ménès et moi, nous sommes là pour la deuxième journée de l'UEFA Champions League. On est prêt, Pierre, non? L'équipe qui a gagné son premier match. Hyper prêt, Hervé. Et puis maintenant, on va voir le PSG ce que ces deux équipes vont faire pour avancer vers la qualification aujourd'hui. On va vous proposer aujourd'hui un match extrêmement intéressant, un face-à-face entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Mbappé. C'est une rencontre où il est difficile de dégager un favori. Le PSG ne cesse de se renforcer et de s'améliorer au fil des saisons. Alors que Manchester United est en train petit à petit de... Bien joué, Williams. On a hâte de voir ce qui s'est passé. Il a fait un mauvais contrôle. J'étais concentré sur, Terry. Et en plus, il est défenseur, c'est pas un 4-3-3 dans cette rencontre. Ouais, Mbappé ! Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Ok, d'accord. Deuxième journée dans cette UEFA Champions League. Qui m'a l'air encore très relevée cette saison. Ouais, mais enfin, globalement, elle est relevée tous les ans, Hervé.
C'est clairement la compétition qu'il ne faut pas louper. Neymar, on fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Et Hassana Diarra. Et c'est la partie en plus. Ce n'est pas terminé. On va prendre une valise. Hassana Diarra. Tiens, à côté, allez. Ah non, là, pas du tout. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Un mot, Pierre, sur deux éléments qu'on va suivre de très près aujourd'hui. Ouais, ce sont deux joueurs à surveiller du fait de leur influence sur le rendement offensif de leurs équipes respectives. Ça promet un très très joli duel à distance. Gallo. Bernard. Williams. Ouf. Ah, bien défendu, ce ballon récupéré sur l'aile. Daniel Alves. Bien joué, Pogba. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Pour Bernard. Williams. Bon, non, mais c'est pas possible. Mais ce n'est pas fini. Ah, il faut qu'on reste concentré. 15 Kurzawa. Kurzawa. Et sauve le corner, bien joué. Ah, c'est pour personne. Paul Pogba. Mais ah, putain, le ballon est perdu. Il va falloir me faire confiance parce que je vais pas avoir beaucoup de ballons, moi, sinon. Neymar. Avec Neymar. Il donne dans l'axe, attention. Oh là là. Et De Gea est là. PSG qui obtient un corner. Attention, ce corner de Neymar. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Verratti. Ouais, il est bien placé pour centrer. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Draxler. Oh putain, c'est. Draxler qui se défait du marquage. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Williams. Pogba. Ah, il va la tenter sur Alexis Sanchez. Elle passe cette passe. Elle est bien passée là. Allez. Alexis. Ashley Young. Entre, il a vu ses coéquipiers. Ouais, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Là, Hassana Diarra. Thiago Silva. Neymar. Eh bien. Ballon intercepté par Pogba. Dani Matic. Il cherche le second poteau. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Draxler, Cavani, Edinson Cavani qui fait partie de ces attaquants qui ont besoin d'un petit peu de spark. Ah, c'est fini le jeu de la part de Draxler. Bravo. Mbappé. Oh là là. Ah, c'est contré. Williams. Avec Sanchez. Williams. Pour son autre Williams, Sanchez. Pour Dani Alves, ça sera pour Williams qui s'en sort bien battu. Alexis Sanchez. Williams. Non, Matic. Mais ce n'est pas fini. Edinson Cavani. Ah, c'est la mi-temps. Et la mi-temps qui intervient. Ouh, c'est dur. C'est dur pour United. La suite de ce deuxième match de la phase de groupe. Avec la seconde période qui démarre à l'instant. Williams. Juan Mata. Mata. Matic. Williams. Faut tourner. Alexis Sanchez. C'est perdu déjà. Alexis Sanchez qui se sera pas mal adapté finalement au foot anglais. Verratti. Avoir explosé en Espagne. Ah, il a tout pour ça. Hein. C'est un joueur extrêmement explosif, un excellent dribbleur, une très belle frappe de balle. Mais bon, il fait pas semblant. Hein. Ashley Young. Ah, la passe en profondeur. Oui, pour Williams. Alexis Sanchez. Williams. Non. Bien l'intention de faire la différence, mais c'est raté pour ce coup-ci. Mbappé. On a eu notre première frappe. Draxler. Toujours pas cadré, malheureusement. Matic. Hassana Diarra. Neymar. L'occasion pour prendre les deux. Heureusement que c'est Verratti. Oh là là
là, on a failli assister Bernard au premier but dans ce match. Avec un peu plus de lucidité dans le dernier. Rabiot qui est rentré à la place de Julian Draxler. Allez, un peu de patience. Pereira. Williams, Matic. Et il est aussi précis dans ses transmissions. Oh. Le tacle de Terry Williams et pas face à n'importe quel adversaire. Ah bah non, parce qu'il a subtilisé le ballon à son petit frère. Ah, la bonne qualité de ses passes. L'aile qui est totalement libre pour Neymar. Kurzawa. Là, ça n'est bien. On fait tourner en essayant il de veut faire pas sortir, Dani. Il le sait, il a pas envie de sortir. Il n'a pas forcément les ballons pour. Ouais, Neymar qui est trouvé sur l'aile. Diarra. Rabiot, très belle séquence de possession dans le moitié de terrain adverse en plus. Allez, il lève la tête pour le centre. Touche, un touche pour le PSG. José Mourinho qui va procéder à un changement dans son équipe. Et merde. Avec Romelu Lukaku qui monte en jeu, comme on dit dans sa Belgique natale. Du coup, ça va déménager. Terminé pour nous. On n'aura pas réussi à marquer. On n'aura eu qu'une frappe. Dani, vous venez d'affronter votre frère en Champions League. Que ressentez-vous après cette défaite ? Le vieux Terry a eu de la chance. Mais au foot, c'est comme ça. La prochaine fois, il s'en tirera pas aussi bien, je peux vous le garantir. Vous pensez que votre équipe était meilleure ce soir, malgré ce résultat décevant ? Alors là, absolument. On s'est amélioré. Tout le monde a pu le constater. Bien, intéressant. Merci pour votre temps, Dani. Donc on a perdu 2-0. Putain, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier, défaite pour United. Première défaite de la saison. Ne pas oublier, malheureusement, sur un match de Champions League où c'était important pour nous de briller. Comme ça, il nous a fait sortir un peu tôt, je pense. Après, on n'a pas su avoir de bons ballons, mais voilà. Place à Kim Hunter et son match contre l'Angleterre. Ça me fait penser un peu à GTA à force de changer de personnage. Mais c'est pas mal. À Los Angeles. Les centres. Ça paraît bête, mais c'est le meilleur moyen pour se créer des occasions. Allez, au boulot. Oh! Ah putain, implique-toi à la réception. Regarde-la! Regarde-la! Pourri.
Mel. Oh putain, mais la laisse pas sortir. Oh, le contrôle, super. Il y a un trou au milieu. Mais allez, fais l'effort. Ça fait pas d'effort. Un C et un D, ça va faire mal. Ça. C'est un honneur d'entraîner des filles qui se donnent autant. Merci pour tous vos efforts. Après les performances de Kim Tan en section américaine, t'es vraiment un modèle, nos filles sont affûtées et sont en victoire. États-Unis, Angleterre, Suède, Pays-Bas. T'as vraiment la cote. On s'en fout, c'est marrant. Quand elles arrêteront de te faire des blagues, tu pourras t'inquiéter. Faut vraiment que tu profites de tout ça. Je vais adorer le wifi dans l'avion. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, les études. J'ai dû passer la moitié de mes examens en avance et reporter les autres après la date. Ah, c'est chaud. Le monde réel. T'as déjà choisi ta fac ? Dis-moi que oui. J'ai bien aimé les offres de Stanford et de UCLA. Mais mon père préférait vraiment que j'aille à Berkeley. Il pense que les études de cinéma, ça pourrait le faire pour moi. Il est malin. Ouais. Mais tu sais, les choses sont différentes maintenant. Il y a plein d'opportunités qui n'existaient même pas quand j'avais ton âge. Passer pro en sortant du lycée, c'est possible aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Alors on est où ? Est-ce qu'on est arrivé en France ? Oui, on est bien à Paris. C'est le tir décisif, le dernier de la Coupe du Monde de Poubelle Ball. Le score est de 36 à 36. Hunter se prépare, elle va tirer... La pression est à son comble. Ouais. C'est pas vrai. Qui sait ? Salut. Son père ? Oui, Harold.
filmer là? Papa, on remet ça tout à l'heure? J'aimerais bien, mais je dois réviser. Sois pas en retard pour la réunion où De Silva te fera courir toute la journée. Chef, oui, chef. Je vois que t'as une nouvelle amie. Ouais, Alex est génial. Oui, à propos, ton frère a appelé. Il vient pour la phase à élimination directe. Ah, si on arrive jusque-là... Arriver jusqu'ici, c'est déjà une victoire, ne l'oublie pas. Même si tu perds, Kim, tu as gagné. Je suis pas là pour faire du tourisme, papa. Oui, ça je sais. Mais il faut éviter de te mettre trop de pression. Tu as 17 ans, Kim. Tu dois encore apprendre. Tu dois encore trouver ta voie. Je veux juste montrer ce dont je suis capable. Tu y arriveras. Il faut être patiente. Ça n'a jamais été mon fort. Bon. Tu as pris ta décision? Pour l'université. Pourquoi? Tu dois décider d'autre chose? Ouais. Je veux dire non. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et... Berkeley a l'air parfaite. Je suis bien d'accord. Mais je pensais... Plutôt, je me demandais si... Et si je passais pro? J'en ai parlé avec Alex l'autre jour et elle dit qu'il y a plein d'opportunités. Où ça? Ne me dis pas que tu parles de Seattle. Je ne pense pas qu'ils étaient sérieux, Kim. Ils nous en auraient pas parlé, sinon. Ils t'ont raconté tout ça pour que tu reviennes les voir, mais seulement quand tu auras terminé tes études. Ils ne s'attendent pas à ce que tu leur donnes suite. Ils n'en ont peut-être même pas envie. Tu dois comprendre que cette compétition, c'est pas le seul grand moment de ta carrière. Je dois aller à ma réunion. Tu viens ? Allez. L'adversaire ne peut pas marquer s'il n'a pas le ballon. Au programme de cette séance, conservation du ballon et jeu de passe. Ça manquait de conviction, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut faire... États-Unis-Angleterre. On me regarde. On est l'équipe de football féminine des États-Unis. Les championnes du monde en titre. Ça veut dire que toutes les équipes adverses dans cette compétition vont essayer de nous détrôner. Mais on se laissera pas faire. On sera toujours plus concentrés et plus engagés que chaque équipe qu'on affrontera. On a un effectif expérimenté. On pourra pas se permettre de bévues, de perte de concentration ou d'approximation. Aujourd'hui, il va falloir défendre notre titre. Hunter, la sélectionneuse veut que tu restes sur le banc pour commencer. Tu donneras un coup de jus quand l'équipe se fatiguera. À vous de jouer, les filles. Ouais, on va voir ce que ça donne. Marquer un but pour ses, du monde, pour ses débuts en Coupe du Monde de la FIFA. Se qualifier pour la phase à élimination directe de Coupe du Monde de la FIFA, ok. Donc faut marquer. Allez, chose qu'on n'a encore pas fait avec un seul de nos joueurs. Dans cette rencontre, Pierre. Et c'est bien sûr son premier match en phase finale de Coupe du Monde. Oui, les conditions sont idéales pour la jeune joueuse américaine. Allez. Elle fait 17 ans seulement, les États-Unis mènent 2-0. Pas vraiment de pression. Allez, à elle de marquer les esprits pour ses débuts en Coupe du Monde. Elle peut marquer des buts aussi, peut-être. 2-0 pour les États-Unis, en tout cas. Attention, ça peut être dangereux. Avec qui? Crystal Dunn. Megan Rapinoe. Oula. Et on l'a dégagé. On va tenter. Il y aura un corner, déjà. On a une demi-heure pour marquer. Corner pour les Américains.
Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Allez, au corner. Les Américaines qui réussissent pour le moment très bien leur entame dans cette Coupe du Monde. Elles mènent au score et elles ont même décidé de faire rentrer dans ce match l'une de leurs plus jeunes espoirs. La jeune Kim Hunter, 17 ans. La frappe. Et tir contré de la part de Kim, dommage. Par la défense. Tony Dugan. Oh, c'est bien donné en profondeur. Le contre. Allez, le ballon tendu, attention. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Crystal Dunn. Elle a perdu la balle, attention. L'occasion pour revenir. Ouais, bien joué, gardienne. Et la gardienne qui s'illustre. Megan Rapinoe. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent, prochain arrêt de jeu, je pense. Bien joué. Kim. Le centre. Pour reprendre. Ah. Elle le tir. Dommage. Karen Bartley s'interpose. Oh non, putain, c'est pas vrai. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez. Carly Lloyd. Type qui fait tourner tranquillement dans sa moitié de terrain. C'est à l'adversaire de venir tenter quelque chose. La passe est interceptée. Tony Dugan. Scott, Camden Nobbs. Toujours 2-0 pour les États-Unis, mais on a du mal à. On a eu quoi? Deux occasions quand même? On a deux occasions, ouais. Carré de carnet. Bien. C'est finalement un ballon perdu. Pour Morgan. Oh là là, allez! C'est une perte de balle. On s'approche de la zone de vérité. On centre à destination de ses partenaires. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Ça s'agite hein, sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Et Mélissa Nett. Lindsay Owen. Tony Dugan. Le tir. Oh, le tir est à côté. Un mauvais tir. Hein. Ça passe très loin du but. Allez, Lloyd. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer. Putain, mais c'est pas possible. On n'arrive pas à avoir des ballons à l'avant. Demi Stocks. Elles attendent l'ouverture, visiblement. Les Anglaises qui attaquent. Allez, le centre maintenant. Ah, Kim Hunter qui en fait un ballon. Ah, oh, mais là, là, mais. Elles doivent être cuites. Elles sont cuites. Elles sont cuites, les Américaines. La passe, franchement, elle était plutôt bonne, pas déconner. C'est ça le football, faut courir. Non, elle est interceptée cette passe. Lindsay Owen. Elle fait tourner le ballon, c'est assez fluide. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, Morgan. Ah, c'est contré. Mais c'est repoussé par la gardienne, ça joue. Oh, Kim. Oh, le centre peut-être. Attention à la frappe. Oh, qui veut accentuer leur avance. Mais c'est raté cette fois-ci. Megan Rapinoe. Allez, l'arbitre siffle la fin. Dommage. De ce match. On n'a pas marqué, mais donc les 3 points. Victoire 2-0 et 3 points. Cette première rencontre contre l'Angleterre. Oui, ça débute idéalement pour les championnes du monde en titre. Premier match, première victoire. Et outre le score, il faut revenir bien sûr sur la prestation de Kim Hunter hein, qui est entré en jeu
en seconde période, qui découvrait une phase finale de Coupe du Monde. Et même si elle ne l'a pas marqué, je crois qu'elle peut être... On aura tenté des choses, on finit sur une 7 de notes. On a 2 objectifs sur 3 pour notre premier match. On aura tenté. On espère faire mieux la prochaine fois, mais déjà on a les 3 points. Vous avez 17 ans et vous venez de débuter en Coupe du Monde. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est... comment dire? C'est euphorisant. Je me sens à ma place ici. Et j'ai hâte de retourner sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Oh, je suis très contente de cette victoire. La compétition commence bien pour nous. Alors, comme c'est un moment important et très spécial pour vous, est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous souhaiteriez saluer? Vous avez peut-être une question sur le match? Oh, malheureusement, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Kim Hunter, félicitations pour cette première et bonne chance pour le prochain match. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces journalistes? Ah, on a joué 34 minutes. On a déjà les 3 points de toute façon, donc ça c'est bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on va se retrouver très vite pour la suite de l'aventure. Merci à tous, à la prochaine, salut tout le monde.